Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo Vlog News, plutôt news, c'est plutôt des news aujourd'hui, donc comme d'habitude, le truc en fil conducteur, pas de montage, etc, ce qui m'arrange fortement parce que j'ai des gros soucis avec mon PC. Alors je sais, j'ai bien conscience que je suis souvent en train de dire que j'ai des problèmes avec mon PC, mais ça reste une réalité, et j'estime qu'à partir du moment où ça fait presque 15 jours que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne, mais justement il faut quand même vous expliquer un petit peu le pourquoi du coup de la chose, et en l'occurrence ben, j'ai toujours un problème de PC. Alors vous vous souvenez sûrement qu'il y a quelques mois j'ai reformaté mon PC, mais il se trouve que en fait c'est le filet un petit coup de jeûne pendant quelques semaines avant que les performances redescendent pour en arriver encore une fois à des problématiques. Alors juste pour vous montrer là, en fait j'enregistre avec OBS alors que d'habitude j'enregistre avec Action qui me permet d'avoir, généralement quand je suis avec les shaders, du 1080p en 60fps. Là, sans bouger la caméra, sans quoi que ce soit, je suis tout juste à 35fps. Donc voilà, par contre dès que je coupe le record, mais je vais pas le couper parce que si jamais je le coupe ça va pas marcher. Dès que je coupe le record, je repasse au-dessus des 60fps. Ce qui n'était pas le cas avant, et en fait ben, vous comprenez bien que, notamment pour pouvoir faire du Minecraft, et ça me pose un gros problème, c'est-à-dire que j'ai un petit peu mis le standard à 1080p 60fps, ça m'embête fortement d'enlever et les shaders et de passer en dessous. Donc j'ai cette grosse problématique, encore une fois, j'essaie de trouver des solutions, mais j'ai bien peur que la seule solution, ben, c'est de changer le PC, et la réalité c'est que j'ai pas l'argent. Il y a des gens qui me doivent de l'argent, je me bats tous les jours ou même des fois toutes les demi-journées pour essayer de me faire payer, essayer de trouver un arrangement avec ces gens-là, pour pas dire entreprise. Je veux pas citer de nom, si jamais vous me suivez sur les lives, je pense que vous avez une vague idée de qui ça peut être. Mais bref, je veux pas rentrer dans la polémique, c'est pas le but de la truc, c'est juste pour vous dire que j'essaye de trouver des solutions. Parce que bien sûr j'ai envie de tourner, bien sûr j'ai envie de lancer la deuxième chaîne, bien sûr j'ai envie de trouver des solutions, j'ai envie de continuer à faire avancer les choses, et je ne peux pas. Mais bref, voilà, tout ça pour vous dire que les vidéos, pour Romain, il n'y en a pas. Quand est-ce qu'elles reviennent? Mais tant qu'il y a le problème de PC, malheureusement, ça ne peut pas revenir. Et la problématique, c'est que non seulement, de toute façon, vous le voyez ici, je suis à 35fps. Donc, faire des lives sans les shaders, why not? Mais j'ai pas envie non plus que ça devienne un format standard pour tous les épisodes, notamment sur les difficiles aventures. Donc voilà, ben pour ça, écoutez, je vous tiens au courant, et puis dès qu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, dès qu'il y a des nouveaux trucs qui arrivent, peut-être que demain je vais trouver un logiciel formidable qui fait que quand je vais record, je vais avoir deux fois plus de FPS, ce qui me permettra de pouvoir record tout le temps, vous faire plein de vidéos. Donc voilà, bon, écoutez, PC de 3 ans, c'est voilà. Sinon, quoi qu'il en soit, ben du coup, comme je suis pas en train de tourner des vidéos et comme je suis pas en train de faire plein d'autres choses, en dehors du fait de spammer Overwatch, oui, j'ai eu un accès à Overwatch, je suis super content, mais d'un autre côté, je suis super frustré parce que j'aimerais faire des vidéos dessus, mais je ne peux pas parce que vous avez qu'à revenir 2 minutes en arrière au niveau de la vidéo. Donc je fais autre chose en ce moment, notamment que je m'occupe pas mal d'ouverture de la deuxième chaîne, j'ai déjà le nom, etc., j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est des trucs qui devraient arriver. Mais là aussi, c'est surtout une question de matériel. Alors le matériel me demande beaucoup moins d'investissement, mais j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu de matos. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant pour ça aussi, encore une fois. Concernant le lieu où nous nous trouvons, eh bien en fait... bouge la souris très doucement parce que sinon vous voyez ça fait des espèces de micro-frises tout pas beau. J'en profite parce que je trouve que la musique est super agréable, encore une fois, vous avez le lien de toute façon qui défile en bas à gauche, et c'est du Epidemic Sound, donc vous l'avez en dessous. Que disais-je? Oui, alors là en fond, dessus, nous sommes sur le serveur Patreon. Alors c'est juste parce que il fallait que j'ai un truc en fond, mais c'est juste pour vous dire que le serveur Patreon est enfin ouvert. Donc ami Patreon, n'hésitez pas à aller sur ma page, je vous ai lancé un petit truc. Alors je le dis juste, c'est pas pour faire de l'auto-pub sur si jamais tu veux accéder à ce serveur là, viens. C'est pas le but, c'est juste parce qu'il y avait besoin d'un fond. Et puis voilà, et c'est juste pour vous montrer la map, parce que la map est terrible, et là aussi encore une fois ça me tarde d'avoir le PC sur lequel je puisse enregistrer et je puisse streamer, parce que c'est juste fou. En fait ça c'est la map que j'ai trouvé, j'ai fait de l'aléatoire, et puis peut-être au bout d'une 20 ou trentaine de solutions, j'ai trouvé celle-ci. Donc en fait là vous voyez la petite île qui est en face là, c'est le spawn, donc en fait quand vous allez spawner ici, on a un village qui est juste là, juste à côté on a un biome Savannah M. Je crois que... Alors, je sais plus si c'est par là-bas
ou par là-bas derrière, il y a un autre biome Savannah M. Enfin bon, la map est terrible, vraiment super belle. Je ne vais pas vous diffuser de suite la seed. Je pense que je vous mettrai la seed et les préconfigurations custom, parce qu'il y a des petites configurations custom qui sont juste ridicules. Mais il y a une petite préconfiguration custom. Je vous mettrai ça dans la description lors du, soit lors de la rediff du premier live, soit lors du premier lancement. Enfin, du premier épisode en tout cas. Dès qu'il y aura une première diffusion sur YouTube, je vous la mettrai. Et donc voilà, ben sinon pour le reste, ça suit son cours. Si j'ai eu la possibilité, avec des grosses difficultés d'enregistrement, j'ai quand même réussi à tourner 4 épisodes d'une toute petite série. J'en avais parlé, je sais plus quand est-ce que c'était, lourd panel life, etc. J'avais dit que entre Talos Principle et Talos Principle Road to Guyana, je mettrais une petite série entre les deux dans notre jeu que je trouve rigolo. Que j'avais trouvé rigolo et fun à regarder, et puis maintenant que j'ai joué un petit peu dessus, effectivement le jeu est pas si mal que ça. Donc pour moi j'ai tourné 4 épisodes, donc en attendant, voilà, ça permettra de combler un petit peu. Et je sais que j'aimerais bien mettre aussi un petit peu de Hearthstone, mais pour le Hearthstone, en fait, encore une fois, j'ai eu des bugs de record. Alors pour les bugs de record, c'est pour ça que moi ça me fait grave tilter. Juste pour les bugs de record, juste pour l'explication, je me suis fait prank sur le difficile des aventures. J'en avais parlé un petit peu dans la rediff du live. Et en fait, j'ai enregistré, sauf que le record a complètement merdé, j'ai pas ma voix dessus. Enfin bref, le truc est illisible, vous savez, avec des fois les petits écrans verts qui sont dessus, ça m'a refait encore ces bugs-là. Et puis pareil, j'avais enregistré pas mal de Hearthstone. Notamment sur la fin de saison, à partir du moment où je savais que j'allais plus passer dessus, j'avais testé des decks. D'ailleurs, je suis content que j'avais proposé à Milly, j'avais parlé d'un deck à Millicium, et je suis content qu'il ait fait lui sur sa chaîne le Reno voleur, parce que moi en fait j'ai pas pu le tourner puisque je pouvais pas record. À chaque fois que je record, j'avais des chutes de FPS comme sur la fin d'Underworld to Legend. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, je suis sincèrement désolé de cette absence de vidéo, mais concrètement j'ai pas de solution. En fait, cette vidéo là, pour pas vous cacher les trucs, c'est juste la troisième fois que je la tourne, et les deux autres fois, en fait, effectivement j'ai eu des bugs d'enregistrement. Encore une fois, j'étais même à deux doigts de l'enregistrer sur mon vieux portable qui a 4 ans, en me disant au moins je sais que là-bas c'est stable, même si jamais c'est du 15 fps, au moins je pourrais vous diffuser quelque chose en 480p. Voilà, bon là c'est quand même du 1080p 30fps, donc c'est pas si pourri que ça. Mais voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end, puisque cette vidéo normalement devrait être diffusée samedi. De toute façon, vu l'heure, je pourrais pas vous la diffuser avant. Voilà. Allez, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et je vous tiens au courant dès que j'ai des solutions pour pouvoir faire arranger tout ça. Je reviendrai vers vous. Allez, tchou tchou.